De Vivaldi, bien sûr, c'est un compositeur que j'aime depuis très 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 longtemps, depuis toujours. Et c'est encore une proposition de Deutsche Grammophon. Et bien sûr, ça passe par un petit moment de réflexion. Et puis, je me suis dit pourquoi pas. Tous ces passages lents, j'aurais tendance à les, je suis pas chauvin, mais un peu peut-être, mais j'aurais tendance à les préférer à l'accordéon. Je trouve qu'avec l'accordéon, on arrive à un son plus plaintif, moins flamboyant qu'avec le violon. Alors je dis pas que c'est mieux avec l'accordéon, mais c'est vraiment là littéralement autre chose. Et disons que à travers cet enregistrement, moi je j'ai réalisé encore plus que ce qui est beau sur l'accordéon, c'est juste des fois jouer avec un doigt, et avec un son très pur, très effilé, qu'on entend aussi dans d'autres contextes de musique de film, ou derrière un accompagnement de Barbara, par exemple. Ça, c'est une belle référence. Il y a toujours un accordéon très très aigu, qui est, très 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 fin comme ça, qui donne beaucoup de poésie, beaucoup d'émotion. Le bruit des touches, et dans l'hiver par exemple, c'est intéressant parce qu'on peut penser soit des pas sur la neige, ou ce cliquetis des glaçons, ça amène une froideur, une réalité quoi. Tout ça, dans un instrument de musique, de toute façon, lorsque on a affaire à un bon instrument, tout est utilisable parce que tous les bruits deviennent des sons, deviennent des choses intéressantes à utiliser. Donc avec les musiciens du quintet, ça fait une douzaine d'années qu'on joue ensemble, donc on s'est rencontrés sur la musique de Piazzolla, après on a fait, ils ont joué ma musique aussi, on appelle New Musette, entre guillemets, Bach aussi. Et donc on a beaucoup de repères par rapport à ça. Ou dans les arrangements, il faut aussi écrire, mais il faut aussi beaucoup gommer aussi pour faire sortir l'essentiel. Et je suis certain que Vivaldi, avec cette instrumentation différente, automatiquement, en venant d'une autre culture, une autre manière de jouer, une autre approche, ça amène à donner un sens nouveau à cette musique. Hein.